Un stade silencieux, des sièges vides. Hier soir, le GFCA ne pouvait pas compter sur ses supporters. Enfin, pas tout à fait, parce que huis clos ou pas, certains sont quand même venus donner un peu de force aux joueurs. Sur la pelouse, les gaziers attaquent le match fort. Un but leur est même injustement refusé sur cette frappe d'Ousmane. À la 28e minute, après cette faute sur Doumeguidi, le défenseur d'Avranches, Rémi Bonenfant, est expulsé. En supériorité numérique, les rouges et bleus en profitent pour se créer des occasions, notamment par Kiey, mais l'avant-centre se montre maladroit. Le GFCA se fait finalement punir à la 54e minute. Bradley Danger profite d'une erreur de marquage pour crucifier Baligeon. 1-0 pour Avranches, score final. On sait qu'on a une situation difficile, sportive difficile. On sait qu'on a une équipe de jeunes qui n'ont jamais connu ce niveau. Beaucoup n'ont pas connu ce niveau. Donc on sait qu'il va nous falloir du temps pour progresser et aller de l'avant. Du temps, les gaziers n'en auront pas beaucoup. Dès mardi, ils recevront Chambly en Coupe de la Ligue. Toujours à huis clos.